Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Vous êtes nombreux. Bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux, voilà. Ça va mieux. Vous êtes nombreux à me demander, Banga Diaspora, pourquoi tu as voyagé, qu'est-ce que tu es parti faire à Jakarta. Voilà, comme je vous ai dit, je suis ici pour mon traitement, voilà. Vous savez, nous sommes en plein combat. Ce n'est pas le temps de pleurer. Voilà, parce que si tu es un chef et tu pleures, c'est très grave. Et c'est mieux de trouver la solution. Voilà. Voilà, vous savez, avec les risques qu'on peut prendre au Cameroun, aller se faire soigner pendant 2 mois, 3 mois, dans un centre hospitalier qui appartient tous à nos bourreaux, et avec tous ces fonctionnaires véreux qui sont tous des carriéristes, parce que chacun veut la promotion, chacun veut un jour être nommé comme docteur de tel centre hospitalier, comme docteur de tel hôpital central. Chacun veut être nommé. Donc pour cela, chacun est prêt. Donc chacun peut faire le sale boulot avant même de rendre compte, en attendant qu'on le nomme un jour. Donc voilà le pourquoi je suis en Indonésie. Voilà, surtout que c'est un pays que je connais bien. Et I trust those people because je leur fais confiance. Voilà, bonsoir à tout le monde. Je fais confiance aux médecins indonésiens et surtout quand on ne se connaît pas. Déjà, tu vois un peu. Donc, après ma torture à la Sémile, voilà, j'ai eu des séquelles. Au fur et à mesure, ça s'aggrave tellement. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez là, sur mon bas de pied, il y a tellement de taches. Et puis, j'avais été très touché. Donc, voilà, j'ai perdu une couche de mon bas de pied. C'est très sensible. Voilà. C'est juste que bon, je suis un sportif, je sais comment je me bats. Je suis obligé de mettre les silicones dans ma chaussure pour sortir. Voilà. Donc voilà ce que je vais demander, c'est que, comme vous avez toujours dit, Mbanga, le jour que tu pars et si tu es prêt, si tu es prêt, n'hésite pas de nous rendre compte. Donc voilà, c'est le temps qui est arrivé. C'est le temps qui est arrivé de vous rendre compte. C'est le temps qui est arrivé de vous rendre compte. Et donc, je vais demander à tout un chacun de participer à sa manière. Voilà, pour que on puisse trouver solution. Voilà. Je ne sais pas comment. La page, là, a commencé encore à monétiser. Voilà. Bon, ce n'est pas le plus important pour le moment. Le plus important pour le moment, c'est que je trouve la santé. Et je ressens la sensibilité de mon bas de pied. Voilà. Bon, quelques conseils. Vous savez que nous sommes sur la page. Il y a quelques conseils. J'ai voulu faire les lives avec le médecin. Les conseillers m'ont dit non, Banga, tu ne dois pas afficher le médecin. Parce que ce sont des risques. Voilà. Tu ne peux pas quitter au Cameroun, loin, loin, loin. Et tu viens te faire traiter, loin en Indonésie. Et tu affiches le médecin. Le monde est très. Le monde est très petit, il faut faire attention. Donc, vas-y, tu commences les soins. Donc, lundi, je serai avec le neurologue. Voilà. On va commencer chez le neurologue. Donc, on va me faire un scanner. On va me faire un scanner de bas de pied. Donc, mon bas de pied est très sensible. Voilà, c'est très, très sensible. Avec les taches noires. Vous voyez un peu, non? Donc là, ça me fait parfois manger les crises parfois. Donc c'est sensible comme pour un nouveau-né. Ouais, un peu, donc, et c'est rouge. Et parfois, ça devient encore plus rouge.
ouvre un peu. Donc parfois ça devient encore plus rouge. Constamment, si je dépose au sol là pendant un jour, deux jours là, ça s'aggrave encore plus. Donc voilà. Donc j'ai souvent tellement très très mal. Voilà, ben je n'ai pas fait autrement. Donc je demande aux uns et aux autres de faire un geste, voilà, pour qu'on commence. Bon, on ne m'a pas encore dit le bilan. On n'a pas encore dit le bilan. Mais ce qui est sûr, c'est que on peut. Ensemble, on peut. Voilà. Et quand on dit qu'on peut, ça veut dire que moi-même, j'ai ma quote-part. Vous voyez un peu. Moi aussi, j'ai ma quote-part. Et j'aurais besoin que tout le monde participe à la cagnotte de Mbanga Diaspora. Vous connaissez mon numéro. C'est-à-dire, même par Orange Money, tu peux faire un dépôt. Même par MTN Money, tu peux faire un dépôt. Et puis, ça va me parvenir ici. Ça va me parvenir ici pour pouvoir payer mes soins. Et on m'a dit ceci, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire que quand on dit thérapie, ça veut dire qu'on va provoquer le mal. Je serai sur médicaments intensifs. On doit provoquer le mal, on doit attaquer le nerf, les nerfs, à ce moment-là de pied, là. On doit attaquer ça. Ça veut dire j'aurai besoin de la béquille, j'aurai besoin des béquilles, j'aurai besoin peut-être, j'aurai aussi besoin des gens qui vont m'accompagner. Donc voilà, j'aurai besoin peut-être de deux personnes de confiance. Voilà, je les ai déjà qui vont m'accompagner et me ramener à la maison. Voilà le temps pour moi de soigner le mal. On prie le Seigneur que les thérapies et le traitement aillent bien, afin que je puisse retrouver la sensibilité de mes plantes de pied. Donc voilà un peu. Parce que sinon, si ça rate là-bas, on est obligé de passer à la transplantation. Voilà, la transplantation. Donc voilà un peu. Donc voilà, je vous demande à chacun de participer déjà dans la cagnotte de Mbanga Diaspora, c'est-à-dire Orange Money. C'est le 696 94 32 42. MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Voilà. Et le nom, c'est Wamen Kwatu Raobena. Voilà, tu fais un dépôt à l'intérieur. Tu m'envoies dans mon WhatsApp, qui est le plus 62 812 125 244 98. Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Le plus important, c'est que je trouve guérison. Et puis, on va continuer à faire les lives. On n'a pas fermé ma bouche. Je vous ai dit, moi, je ne pleure pas. Chaque chose a des risques. Il y a des gens, il y a des hommes qui perdent leur vie sur la femme. Voilà. Donc, je ne veux pas voir les pleurs ici. On ne pleure pas dans mon live. Celui qui pleure, je le bloque. Tu ne pleures pas. Bah, c'est ça le combat. Parce que nous aussi, on les fait pleurer quand on les dénonce, quand on les combat, quand on est debout, quand on est unis, ça les énerve. Parce que leur souhait, c'est de voir un ou l'autre dire, j'abandonne comme certains font. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui doit abandonner. Bah, c'est étant debout que nous avons libéré notre pays. C'est avec le sourire qu'on gagne. On ne gagne pas avec la tristesse. On ne gagne pas avec la peur. Donc voilà. On ne gagne pas avec la peur. On ne gagne pas avec la tristesse. On gagne avec la joie. On gagne dans l'union. Tant pis pour celui qui dit qu'il est leader et qu'il ne peut pas exposer ses problèmes à ses amis. C'est ça, on dit un leader. Voilà, au lieu de voler, il faut demander. Voilà, donc voilà le numéro Orange Money que j'ai épinglé. Il y a le lien PayPal aussi. Il y a aussi le lien PayPal. Voilà, que d'ici quelques jours, peut-être demain, bon voilà, j'ai perdu la tête. Je devais aussi épingler le lien PayPal. Voilà, je devais aussi épingler le lien PayPal. Et quoi qu'il y ait aussi le lien PayPal là. Ouais, il y a le lien PayPal. Je pense que j'ai retrouvé le lien PayPal. Voilà. Le lien PayPal, c'est la même chose. Hein. Soutien. Je suis obligé d'effacer ce que j'ai d'abord écrit là. Voilà. Soutien.
Voilà. Et puis celui qui a les idées peut me donner, hein, on ne sait jamais. Voilà. Celui qui a les idées, il peut me donner. N'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas de me contacter pour me donner les conseils. Voilà. N'hésitez pas pour me donner les conseils. J'en ai besoin aussi. Nul n'a la science infuse. Donc voilà, priorité à ma santé. Et ça ne veut pas dire que je ne veux pas donner mon point de vue. Voilà. On va continuer à parler, on va continuer à dénoncer, comme la vidéo que vous avez vue là. Le président indonésien qui est en train de rentrer à la maison. Voilà. Et je suis en train d'organiser. Peut-être un jour, je vais faire un tour. Voilà, dans au palais de l'Indonésie. Donc voilà. Voilà. Ah puis, il faut parfois ça. Hein. C'est aussi ça, là, un soldat. Un soldat doit tomber et se relever. Et c'est aussi bien. Voilà. Un soldat doit tomber et se relever. Le mauvais soldat est celui qui tombe, qui ne se relève pas et qui abandonne, qui démissionne et qui fuit, qui décourage les autres. Et c'est ça qui est grave dans notre pays. Les jeunes n'ont pas encore compris. Voilà. Les jeunes n'ont pas encore compris que non, seul le combat va libérer. On doit se sacrifier. Il y a ceux qui ont perdu leur vie. Il y a ceux qui ont perdu leur vie. Voilà. Il y a ceux qui ont perdu leurs membres. Il y a ceux qui ont perdu leurs yeux. Ce qui s'est passé au Gabon là. Il y avait quelqu'un qui avait commencé, mais il a raté. Donc dans la vie, on commande toujours. On commande toujours. Et c'est pas toi qui as commencé qui va arriver à la fin. Tu peux commencer, tu ne finis pas. Quelqu'un d'autre vient finir à ta place. Voilà, le plus important, c'est de booster, galvaniser les jeunes. Il n'y a rien en face. C'est l'homme qui a peur. Il n'y a rien en face. C'est l'homme qui a peur. Voilà, on ne vient pas sur terre orner le monde. On ne vient pas sur terre orner le monde. Non. On vient sur terre vivre. Et quiconque veut t'empêcher de vivre est un danger pour toi. Même c'est ton père, même c'est ton parent, même c'est ta mère qui veut t'empêcher de vivre, dis-lui non. Donc ça veut dire qu'il faut dire non à ces dirigeants-là. Il faut dire non. Que nous on n'abandonne pas. Nous on n'abandonne pas. Et rien ne doit changer. Après toi, les gens vont vivre. Ne limite pas ta vie à toi, même dans ta famille. Ne vis pas comme si c'est toi qui es le carrefour. Non, tu te crées des problèmes. Tu n'es pas le souffle de vie de quelqu'un. Tu n'es pas le souffle de vie de quelqu'un. Faut dire ça aux gens. Tout le monde est mortel. Les rois meurent, les présidents meurent, les premiers ministres meurent. On a besoin de ça. Ah oui, on a besoin de ça. Qui veut voir ses grands... Mais si tu veux voir tes enfants grandir dans la misère, mourir dans la pauvreté, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Si tu veux voir tes enfants... Si tu veux voir tes enfants grandir dans la pauvreté, dans la misère, ça ne vaut pas la peine. Bêta, tu vas te suicider. Là, tu ne sais à rien. Dans la vie, on commence toujours quelque part. On commence toujours quelque part. Au Gabon, là, les gens applaudissent aujourd'hui. Oui, même si c'est un truc qu'on a fabriqué, au moins, il y a quelqu'un qui a commencé. Il y a quelqu'un qui a commencé. Donc, dans la vie, on commence toujours quelque part. N'aie pas peur. Même si dans ta famille on te méprise, on dit que tu as fait quoi, mais au moins tu as montré comment on entre dans l'avion. Voilà. Au moins tu as montré comment on peut avoir le courage de prendre la route. Au moins tu as montré le courage qu'on peut aller s'aligner pour aussi prendre un visa. Donc dans la vie, toi qui viens après là, tu veux mépriser les autres. Méfie-toi. Sache que c'est ta soeur qui a d'abord commencé. Voilà. Ta soeur s'est d'abord mariée, même si elle a divorcé. Tu lui dois du respect. Tu lui dois du respect. Parce que tu es marié aujourd'hui que tu vas dire que non. Tu lui dois du respect. Donc voilà. Donc voilà déjà la cagnotte qui est là. Il y a la cagnotte, il y a le lien PayPal.
Voilà. Il y a le lien PayPal, il y a la cagnotte, il y a le numéro Orange Money, il y a le numéro MTN Money. Le numéro Orange Money, c'est le 696-94-32-42. Le MTN Money, c'est le 683-40-97-55. Il y a le lien PayPal qui est là. Vous faites le dépôt à l'intérieur. Vous me faites la capture d'écran sur mon numéro MTN qui est mon WhatsApp que j'utilise ici là. Et aussi, vous me faites la capture d'écran aussi sur l'autre mon WhatsApp qui est le plus 62 812 125 244 98. Pour ceux qui auront besoin de dire que je leur dise merci, je leur dirai merci. Donc voilà. Ah oui, madame, les produits pour perdre le poids. Ah oui, il y en a. Si tu as besoin, tu me contactes sur mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp là-bas aussi. C'est pinglé là. Et n'oubliez pas que. Ouais, fils du planteur, bien sûr. Ah, tant pis pour ceux-là qui cassent le pont avant de traverser. Tant pis. Il y aura tout quelqu'un d'autre. Même dans nos familles, on a eu des oncles milliardaires. On a eu des parents qui n'ont rien fait. Mais l'enfant grandit demain. Il vient faire ce que le père n'avait pas fait. Et il augmente encore. La meilleure façon de critiquer, c'est de faire autrement. C'est clair. La meilleure façon de critiquer, c'est de faire autrement. Quand tu ne trouves rien, vis comme quelqu'un qui n'a rien trouvé. Et l'avenir te sera favorable. Les regrets empêchent les gens d'avancer. Même dans l'entrepreneuriat, on va toujours chuter. Tout ce que tu acclames aujourd'hui là, était en bas, trop en bas. On commence tout quelque part. Les gens qui font les coups d'État là, c'est les gens qui ont porté d'abord le sac hier. Ils ont porté le sac hier. Ça n'a pas été facile. Le Olingi là, même si c'est un coup d'État arrangé, regardez, l'homme était d'abord porte-sac. Il était porte-sac. Il n'était pas chef de la garde présidentielle. Comment d'abord porte-sac? Que ça serve de leçon à nos petits frères. Si demain Banga Diaspora n'est pas là, ne pleure pas. Fais comme moi et fais mieux que moi. Tu vas peut-être rencontrer un adversaire que ton esprit le domine. Vous allez gagner. Ton père peut échouer, mais toi tu viens, tu gagnes. Ton frère peut échouer, toi tu viens, tu gagnes. Ton ami peut échouer, toi tu viens, tu gagnes. Voilà pourquoi ton ami n'a pas pu traverser, mais toi tu as traversé. Ton ami a laissé sa peau là-bas. Toi tu es venu, tu es passé facilement pour toi. Donc c'est pas parce que l'autre n'a pas pu que toi tu ne peux pas. C'est pas parce que l'autre n'a pas pu que toi tu n'essayes pas. On a parfois les mêmes pensées, la même vision, mais on n'a pas le même destin. Il faut toujours commencer quelque part. Et être toujours reconnaissant avec les devanciers, ceux qui ont commencé avant nous. Et voilà tout pourquoi j'ai dit toujours, je vais toujours respecter le président Maurice Kamto. Et je demande à tout le monde, que tu sois tontina, sardina, whatever, tu n'as pas de parti, il est temps de participer ici dans la cagnotte. Parce que souvent, moi aussi, je participe. J'ai toujours participé dans les cagnottes. Mais ce que je fais, je le fais dans l'anonymat. Alors, vous vous souvenez, quoi. Voilà. Donc, j'ai seulement couru pour entrer dans l'avion. Parce que c'était le 4, le 5, on remettait les cahiers. On payait la scolarité aux élèves, à nos frères anglophones, qui sont, voilà, les déplacés du Nozo. Voilà. Les déplacés du Nozo. Il fallait que je voyage après 3 jours. Donc, c'était chaud. J'étais stressé, voilà. Donc, voilà, et puis voilà. J'avais cru que mon vol était le 18, alors que c'était le 8. Donc là, je suis allé acheter un billet d'avion en disant que c'est le 18. La fille est partie mal comprendre. Elle a mis le 8. Donc, j'étais surpris que, il me rend compte que mais c'est le 8. Il ne pouvait plus faire autrement. Il fallait que j'entre dans l'avion pour partir. Je ne me suis même pas reposé. Parce qu'il était temps que je parte, voilà. J'ai quand même fait 3 ans là-bas. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile quand même. Trop de difficultés, trop de blocus par-ci, par-là. Bon, je vous ai toujours dit, je n'aime pas expliquer beaucoup de choses parce que ça va décourager. Voilà. Je vous ai dit, je suis un homme debout. Je ne me rabaisserai jamais. Voilà, je serai toujours debout. Et faites-moi confiance, c'est tout. Voilà.
La vie, on commence tout quelque part. Et sachez que dans la vie, c'est pas parce que tu as commencé avec quelqu'un que vous allez finir ensemble. Non. Au cours de ta vie, tu vas rencontrer plusieurs personnes. Et tu vas finir avec une personne. Quand tu peux finir seul. Il y a des gens qui mènent des combats ensemble, mais ne profitent pas ensemble. D'autres laissent leur vie. Et voilà ce que nous on veut au Cameroun. Respectons les héros, ceux qui ont écrit l'histoire. Parce que jusqu'ici, là, l'histoire du Cameroun est tronquée. L'histoire du Cameroun est tronquée. Voilà hier, qu'est mort, assassiné, Ruben Oumniobé. C'était avant-hier, le 13. Regardez, on ne commémore pas. Ça passe comme une lettre à la poste. Ça passe comme une lettre à la poste. Et vous croyez que là où nos leaders sont couchés, ils sont contents. Ils ne sont pas contents de nous. Notre pays est comme un pays hanté. Le Cameroun est comme un pays hanté. C'est sur des... Nous sommes comme ça là, sur le sang. Sur des crimes non illucidés. C'est un peu comme vous voyez souvent, les films nous montrent chaque temps des choses, des scénarios vrais. Vous voyez des films, on dit que les films, la maison hantée. On se sent mal à l'aise. Il ne faut pas seulement voir les images. Il faut comprendre. Il y a les maisons hantées parce qu'à l'intérieur, il y a eu des cadavres. Il y a eu des crimes. On n'a jamais rendu justice. Donc c'est ça notre pays. Quoi que tu fasses là, mon ami, viens, tu vas échouer. Tu vas échouer. Parce que tu es sur le sang de tes ancêtres que tu n'as pas. Tu ne demandes pas justice. C'est comme toi là, tu seras à l'aise. Ne pas vous être là après 20 ans, vous faites le deuil de vos parents. Mais dis-moi là, est-ce qu'on a fait le deuil de nos ancêtres, ceux qui ont libéré l'Afrique? Est-ce qu'on a vraiment honoré nos ancêtres? Est-ce qu'on a honoré nos ancêtres? Oumniobé, est-ce qu'on a honoré? Nous, on nous a envoyé ailleurs, au champ. Le lien PayPal est là sur le truc. Le lien PayPal. Bonsoir, fils du planteur. Bonsoir, Doris Industriel. Madame l'Industriel. Le PayPal est là, le colimon, le PayPal est là sur la page, épinglé là-bas. Mais voilà pourquoi le pays n'avance pas. Mais oui. Oui, Ruffin, bonsoir. Voilà pourquoi le pays n'avance pas. Parce que même dans nos familles, si vous ne faites pas les certains deuils, certains rites, les enfants ne vont pas réussir. Je prends un simple exemple. Tu ne dotes pas ta femme. Comment tu attends la dot sur ta fille? Tu n'as pas doté ta femme. Tu n'as pas doté la mère de ta fille. Mais comment tu attends la dot sur ta fille? Donc c'est la même chose. Mais nous devons changer le Cameroun ensemble. Ne disons pas seulement que le Cameroun va changer. Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu t'attardes même un instant? Tu penses à ta vie? Les gens croient que leur bien-être personnel, c'est le développement du Cameroun. Mais non. Mais non. Il faut vivre la réalité. Il y a de cela 8 ans que j'ai compris que non, 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 mon bien-être n'apporte à rien le Cameroun. Non, non, ça ne devrait aucun. C'est le bien-être des Camerounais qui sécurise même l'avenir des Camerounais. Voilà Frambia, on te dit qu'on le prépare déjà à prendre la place de son père. Les ministres ont dans les fils préfets. Donc ça veut dire que le jour qu'il part, il part, son fils vient le remplacer. C'est comme ça. Et nous, on est là, on voit. Nous, les enfants, les pauvres. C'est toi qui mousse. Tu n'as rien. Tu travailles pour eux. Eux, ils ne courent même pas. Ils sont calmes, ils sont posés. Toi, tu stresses. Tu pars au Cameroun, tu as 100 millions. Tu as investi. Un gars vient là, il met un papier scellé. Il n'a même pas le CEP. Il n'a même pas le CEP. Il vient scellé. Après, tu pars, tu choques 500 000. Tu choques 200 000. Mais tu travailles pour lui. Tu ne peux pas avancer. Parce que l'argent que tu donnes là, c'est pour changer sa vie. On lui a mis là-bas qu'il change sa vie, lui. On s'en fout des routes. Voilà le péage, non? C'est pour... L'argent va entrer dans la poche de certaines personnes. Vous allez comprendre le bilan. Les péages. Et dans tout ça, il n'y a pas de route. D'ici quelques jours, on va inaugurer. Dans un vrai pays normal, on doit aller... On doit aller dans un pays normal, là. On attend le jour de l'inauguration. Nous tous, on se lève, on part là-bas. On dit que niette, il n'y a pas ça ici, là. Arrêtez ça. Parce que vous voyez, c'est vite fini. Hein. Mais l'axe Loudoua, là, Yaoundé, depuis combien d'années? Depuis 12 ans. On a 60 km. L'axe Loudoua, là, Yaoundé. La nationale numéro 5, Douala Bafoussam.
Depuis combien d'années? Depuis les temps de l'indépendance jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Ça tue les Camerounais, ça ne les dérange pas. Nous sommes du bétail. Nous sommes du bétail pour les élections. Des élections, les gens meurent. Les enfants des gens sont emprisonnés en prison. Sont en prison. Les Bibounissars sont en prison. Les innocents sont en prison. On s'en fout du reste. Avec ça, on va avancer comment? Avec ça, on va avancer comment? Moi, j'ai pitié de mes frères. Non, j'ai beaucoup pitié. J'ai beaucoup pitié quand je vois souvent certains Camerounais. Tu te déranges pour rien, mon frère. Ta vie n'est pas en sécurité. Combien de gens partent au Cameroun, ils perdent leur vie, on poignarde, on tue. Pour 1 million, un gars t'agresse. Au lieu de dire que donne-moi, il te poignarde, il te tue. Quelqu'un te doit 5 millions. Toi, tu as dans ton compte 100 millions. Parce qu'il te doit 5 millions. Il n'a pas pour te rembourser. Il monte le coup, on t'empoisonne. Alors que tu vaux 100 millions. La méchante, le sous-développement, la misère a fait à ce que les gens ont confondu leurs cibles. Ton succès nuit aux autres. Ce n'est pas de leur faute. Et ils pensent que tu es la source de leur malheur, la cause de leur malheur. Ça fait peur. Telle vient, elle meurt. Peut-être, tu vas comprendre, on a tué celle-là parce qu'on veut prendre son restaurant. L'autre jour, j'ai vu, on verse les graviers. On verse les graviers. C'est compliqué. C'est compliqué. Et vous allez comprendre le budget, 400 milliards, 200 milliards. Mais ça, on va avancer comment? Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais Banga, pourquoi tu ne peux pas te faire soigner au Cameroun? Pourquoi pas on me t'aime? L'homme prudent voit le mal de l'homme. Pourquoi je peux me t'aimer? On t'a dit que c'est mon mal là, c'est un mal que tu vas aller prendre les médicaments, ça va. Non, 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 non. On a beaucoup là. Les maîtres sortent. Il y a beaucoup là. Voilà le petit Samy qui est parti hier, hier. Petit Samy est parti. C'est quoi? On ne dit pas qu'il n'y a pas les bons médecins au Cameroun. Mais il reçoit les ordres. Hein. Il reçoit les ordres. Voilà Eric King. Eric King lui-même est parti à l'hôpital. On a servi le cadavre à sa famille. Paul Biya lui-même se soigne dehors. C'est moi qui vais aller me soigner dans l'hôpital là. L'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Il peut aller là où je connais que non, là-bas on peut trouver solution. Et dans la vie, hein, même pour être courageux, il faut d'abord avoir peur. Même pour être courageux, il faut d'abord avoir peur. C'est parce que tu es courageux que tu vas aller tenter la mort. La mort paye cash. La mort paye cash, mon frère, ma soeur. Donc voilà, je suis ici là, priorité au traitement. Voilà. Et quand on aura souvent l'habitude de faire les lives, voilà, sachez que moi je suis à Jakarta, je suis en Indonésie pour mon traitement. Voilà. Et puis on va commencer ici, peut-être ça risque de finir à Singapour. Donc peut-être j'ai pour 2 mois de traitement, 2 mois de traitement. Voilà, donc d'ici lundi là, quand je vais aller faire le scanner, voilà, pour qu'on détecte les nerfs qui sont touchés. Si c'est touché, on va provoquer tout ça. Si ce n'est pas touché, on va provoquer les nerfs qui ne sont pas, on va éliminer les nerfs qui sont touchés, qui ne sont pas touchés et traiter ceux qui sont touchés. Donc voilà un peu la solution. Donc merci aussi à celui-là qui vient, à le gros. Voilà, merci à toi qui vient d'envoyer les étoiles. Voilà. La page est devenue encore monétisée. Je wonder seulement. Oui, merci. Ne me demandez pas que Banga Diaspora, non. Désolé, pour le moment, la priorité. Pour le moment, priorité. C'est après ça qu'on va voir si on peut vous rendre service. Voilà. Je suis en train de voir si on va vous rendre service comme la dernière fois. Voilà. Après ça, on va voir si je peux vous rendre service. Ça veut dire, Banga Diaspora, peut-être je veux telle chose. Je vais me porter garant. Mais je veux pas. Moi, je ne connais pas trop le business des mèches là. Parce que la dernière fois, ça m'a créé des problèmes. Voilà. Dans la vie, il faut se respecter. Après tout, c'est sa dignité. Comme disent les Baganté, Nkornisha Moni. Nkornisha Moni. Mais pour le moment là, je ne peux pas encore
Je peux encore vous confirmer quand je peux le faire. Mais d'abord, la priorité, c'est ma santé. Voilà, parce que j'ai quand même beaucoup souffert pour cela. Et puis, je n'aime pas en parler. Donc, voilà un peu. Je n'aime pas en parler. Donc, voilà pourquoi je suis ici, là. Donc, arrêtez de me demander pourquoi Mbanga Diaspora. Non, 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 non. Vous voyez ma vie au Cameroun. Est-ce que je vous ai dit que je regrettais? Ils ont cru que je devais regretter parce que ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils ont vu que j'étais toujours trop souriant. Est-ce que moi j'ai un problème? Et ce qui me plaît, c'est que je me levais chaque matin et passais que devant eux pour aller vendre mes cannes à sucre. Ah oui. Ah oui, c'est comme ça la vie. Donc quand ton ennemi attend tes pleurs, ne pleure pas. Voilà. Je vais pleurer un jour quand on va libérer le pays. C'est le jour-là que je vais pleurer. Je pleure de joie. Je ne pleure pas quand je suis triste. Je souris. L'adversaire attend que tu pleures. Voilà. Tu pleures que ah, j'ai eu le gars là. Non, ne pleure pas. Ne pleure. Un jour, tu vas pleurer, pleure dans ta chambre. Mais le vrai jour viendra, tu vas pleurer. Voilà. Il va faire pitié. Vous avez vu Aline Bongolo l'autre jour, non? Tu as vu son enfant, non? Hey, tu nous as dans quelle situation nous as mis comme ça? Voilà. Mais dans les temps qu'il faut pleurer. Parce que chacun a ses bons et ses mauvais moments dans la vie. Et quand tu sais que tu as raison, on veut te faire croire que c'est le mauvais moment de ta vie. Dis que non, ce n'est pas encore ton temps. Ce n'est pas encore ton temps. Je connais vous un nombre là. Vous venez au Cameroun, vous fuyez les gens. C'est ça qui est mauvais, vous fuyez les gens. Vous fuyez les gens, comme c'est vous qui faites les vidéos. Quelqu'un vient au Cameroun, il se cache. Pas le temps alors. Non, Mbanga Diaspora, j'aime ce que tu fais, mais on te surprend à l'aéroport. Tu te caches. Tu viens jusqu'à, tu pars, tu te caches. Incapable de venir voir ton élément. C'est même tout ça qui fait même souvent là. J'ai même souvent les crises de bas de pied. On me fait souvent mal. Quelqu'un avec qui je cause depuis 6 mois, il vient au Cameroun, il envoie même les cadeaux, mais il ne vient pas me voir. C'est le jour qu'il part que je me vois par hasard, il me trouve à l'aéroport. Mais c'est pas le type ici là qui est sur mon WhatsApp là. Je lance à distance, le gars décroche. Mais tu as peur de quoi? C'est toi qui fais les vidéos, mon frère. C'est toi qui critiques. Vous croyez que l'argent fait tout? Non, il faut remonter les gens. C'est comme tous ces messages que je vois là. Mais grand frère, ok. Voilà, merci, tu aides beaucoup les jeunes. Voilà, merci. Prends tes guérisons. Voilà. Hein? Voilà. C'est bien, non? C'est ça la vie, en fait. C'est ça la vie. Cette reconnaissance là, en fait. Ça me montre que si un jour je ne suis pas là, si vous voyez mon fils quelque part, vous pouvez l'aider. Oui, ça me montre que si un jour je ne suis pas là, les gens vont venir dans l'anonymat. Voilà, venez quand même vers moi. Il y a ceux qui viennent, je les montre ma maison. Ils vont à la maison. Comme il y a un là hier qui est parti à la maison. Il est parti à la maison. Mon ami, les hommes ne protègent pas l'homme. Hein. C'est Dieu qui protège chacun. Les hommes ne protègent pas l'homme. Non. Même ton frère peut se retourner contre toi un jour. Même ton enfant. Même tes parents. D'abord, il y a les parents qui vendent leurs enfants. Même en Europe, là. Quelqu'un peut assurer son propre enfant. Il tue l'enfant pour prendre l'argent de l'assurance. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous le formula. Ça existe. C'est que c'est parce que ce n'est pas encore arrivé chez nous. Le jour où ça va arriver chez nous, ce sera trop grave. Et je demande à tous ceux qui vont faire les dépôts, les transferts, même par Western Union, veuillez me contacter, m'envoyer la capture d'écran. Voilà. Je vous ai dit, j'ai perdu beaucoup parce que là, mon problème de carte de séjour, je suis en train de gérer. Voilà, mon problème de carte de séjour, comme je vous ai dit. Le temps que j'ai fait au Cameroun, j'ai perdu ma carte de séjour. Voilà, parce que il y a dans certains pays, après un an, si tu ne viens pas faire un tour, tu repars, ça meurt. Il y a dans certains pays, si tu fais 2 ans, tu ne viens pas faire un tour, ça meurt. Un peu comme ça, c'est un peu partout comme ça, non? Sauf quand tu as la nationalité. Donc voilà un peu. Bon, si j'avais la nationalité, ce qu'ils m'ont rejeté, parce que le jour qu'on m'a, on m'a arrêté, on a pris ma femme, on partait avec elle. Le gars, le type, ouais, c'est Sawa qui était là, dit que, connais que ton mari là, comme on est en train de fouiller la maison là, connais qu'il va, on va seulement le prendre, on va l'envoyer loin. Parce que lui avait son passeport singapourien là. Regardez-moi les gens comme ça là. Ils croyaient que moi je suis singapourien. Mon frère, je n'ai pas la double nationalité. Je suis camerounais. Alors, il dit qu'on va le jeter,
On va le jeter dans son pays, il ne doit plus jamais revenir ici là. Regardez-moi les gens comme ça là. Qui peut m'interdire le Cameroun? La seule place que je peux accepter de mourir, c'est au Cameroun là. Voilà. Et je vais mourir que pour le Cameroun là. N'importe quoi. J'ai compris la vie. Hein. Donc j'arrive, je vais souffrir, j'envoie les enfants à l'école. Je vais encore souffrir pour payer le travail. Je vais encore souffrir pour les envoyer en Europe. Moi, comment? Comment je vais chercher le réseau? Je grandis, je vieillis, je deviens misérable devant mes enfants. Bête à chemin. C'est pourquoi j'ai des tendances suicidaires. Les gens ne comprennent pas. Mon problème, déjà, j'ai des tendances suicidaires. C'est quelle vie ça? C'est la même chose qu'on est en train de vivre là. Te voilà, tu es en train de construire la maison au Cameroun. Tes enfants sont aux États-Unis. Tes enfants sont français. Tes enfants sont anglais. Attendez, mon ami. Tu as là 50 ans. Donc, d'ici quelques temps là, tu peux mourir à 60 ans, 70 ans, 80 ans. Mais mon ami, ta descendance, ce sont déjà les Anglais, Américains. C'est fini. Ils vont rentrer quand? Ils vont rentrer quand? Ils vont rentrer quand? Laissez les bruits là. C'est les enfants là que vous allez voir bientôt là. Après 50 ans, ils ont changé tous les noms. Ils sont devenus tous les Anglais. On dit seulement par nom que voilà. C'est parce que le Kylian Mbappé, son père est parti hier. Il est de la première génération. D'ici quelques années là, c'est fini. Voilà Yahi Noah. Il est avec qui au Cameroun? Il est seul. Ses enfants sont partout dans le monde entier. Donc il n'est que là figurant. Mais sa vie, c'est de l'autre côté là-bas. Et ce qu'on veut, c'est une vie là-bas. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'investir. Soit tu t'engages pour que les choses changent. Parce que normalement, si tu as 6 enfants, tu dois mettre 3 devoir rester là-bas. Ça doit être un choix pour toi. Que non, vous travaillez dans le gouvernement, faites le concours, vous passez comme dans certains pays. Comment tu connais les qualités de tes enfants? Mais ils font les concours, ils échouent. Ça ne te dérange pas? Non, non, non. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer dehors. Mais c'est un échec. Que tu as les biens que tes enfants peuvent gérer. Mais ils vivent dehors. Vous voyez, les maisons sont abandonnées. Tous sont en Europe. C'est une vie là-bas. Ça ne dérange personne. C'est une vie là-bas. Tu accouches tes enfants, ils grandissent. Tu les envoies tous en Europe. Comment? C'est pas une vie. La maison est vide. La maison est vide. Après, demain matin, on t'appelle que ton père est mort. Ton père que tu as causé hier avec lui. On t'appelle que la mère est morte. Peut-être le boy, la bonne. Elle a subi la bonne. Je connais les cas qui sont passés comme ça. Je connais un gars qui est en prison, condamné à mort. La mère, la grand-mère, l'a subi en train de voler son argent que ses enfants envoient en Europe. Elle ne met pas l'argent en banque. Mais le gars a appuyé le coup de la mère. Mais le gars a pu le coup. La mère est morte. Beaucoup de parents qui meurent parfois, c'est parce qu'il n'y a personne à la maison. Dans tous les pays, ça existe. Ça veut dire que tu dis entre guillemets, oui, oui, mes enfants sont en Europe, mes enfants sont loin de moi. Mais attendez, mais tu souffres. À un certain âge, ça doit être ton sang. Ça doit être ton sang. Parce que parfois, tu es aveugle, tu es fatigué. Quelqu'un peut précipiter ta mort. Mais chacun aimerait voir ses parents jusqu'à 120 ans, 150 ans. Il y a des gens qui ont les moyens pour ça. Mais un individu va venir là. Hein, voilà, comme on a dit que bon, n'importe, tu peux habiter dans la maison familiale, c'est pour toi. Il anticipe la mort du père de quelqu'un. Mais oui, ça existe. On connaît beaucoup comme ça. Ça existe. Voilà. Et s'il vous plaît, je ne veux pas, moi, je veux être, je suis en concentration. S'il vous plaît, celui qui m'insulte même, vous ne répondez pas, il faut les laisser. Voilà, c'est des maudits. Voilà, c'est des maudits là. Donc je veux pas, celui qui m'insulte là, vous le laissez, moi je ne suis pas dedans. Je ne veux pas que vous venez ici là, vouloir expliquer que non, celui-là fait que non. À un moment de la vie là, on n'a plus rien à prouver. C'est clair. À un moment de la vie, on n'a plus rien à prouver. Laissez que chacun porte sa malchance. Celui qui vient là pour dire que Banga, oh, comme souvent là, oh, non, il faut le laisser. Ouais, comment je suis posé, non?
Parce que là maintenant, c'est moi alors. C'est clair. Je n'ai aucun regret. Voilà. Et je suis sûr que je compte sur vous. Voilà. Je compte sur vous. Voilà. Même si on m'arrête même 100 fois. Tant que j'ai encore le souffle de vie, c'est là que debout. Donc voilà. Donc on est ensemble. Donc pour tous ceux qui ont besoin des produits, n'hésitez pas à m'appeler. Le Super Magic, comme souvent. Voilà, Super Magic. Voilà, les produits pour durer sur la femme. Le Super Magic, non? Il y a le stock en France, en Belgique, Italie, États-Unis, Allemagne et Cameroun, même le Maroc. Le Super Magic. Les produits pour perdre le poids, Lily Slim, on en a le stock. On est en France et on est en même temps au Cameroun. Voilà. Et aussi les produits. D'ici quelques jours, je vais vous montrer aussi un détox là, qui est très bien. Voilà. On a aussi les cannes à sucre, le jus de canne à sucre. N'hésitez pas. Voilà. On a les produits pour la goutte. Pour la goutte. Il ne faut pas aussi hésiter. Les produits pour la goutte. Voilà. Pour vos parents qui ont de la peine à marcher. Voilà. L'acide urique. Voilà. Le mien, ce n'est pas l'acide urique. Le mien, c'est à cause d'une torture que j'ai eu les séquelles. Voilà. Les nerfs ont été touchés. Voilà. Et puis voilà. Voilà la suite quoi. Bon, le monsieur m'a parlé, donc je suis un peu trop calme parce que je suis un peu triste parce que il m'a dit ça fait tellement mal. Il m'a dit ça fait mal que je me prépare. Là, ça fait mal. Donc voilà. Et ce qui est sûr, c'est que je suis un homme, non? Je suis un homme. Donc en semaine, je vais aller acheter le vélo pour ce coup-là. Avec la béquille. Voilà. Et puis j'ai déjà les personnes de confiance qui vont m'accompagner. Voilà. Et puis désolé, comme je vous ai dit, j'ai contacté quelques personnes. Voilà, on a causé en conférence ensemble. On a pris une décision. Banga Diaspora, tu ne fais pas les lives chez le médecin. Parce qu'il ne faut pas mettre ta vie en danger. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Je pense que la décision était vraiment prise. Voilà. Ah. Voilà. Donc n'hésitez pas que chacun va faire l'Orange Money. Western Union. MTN Money. Orange Money 6-96-94-32-42. MTN Money 6-83-40-97-55. Voilà. Il y a le lien PayPal qui est là. Voilà. Et puis voilà, j'ai entamé les papiers déjà. Donc j'ai entamé les papiers pour ma carte de séjour, voilà. Et puis, si je guéris là, je vais aller du côté de la Corée. Je vais aller au Japon. Je vais aller, voilà. Pour ceux qui auront besoin de certaines choses, n'hésitez pas à me contacter. Mais pour le moment là, priorité à la santé. Priorité à la santé. Donc, voilà. Et puis, je vais voir si je pourrais aider quelques personnes qui auront besoin de certaines choses. Tu fais parvenir de l'argent. Voilà. Et puis, on achète, on t'envoie. Donc voilà. Good night for everyone. I love you so much. Il se fait déjà tard ici. Voilà. Il se fait déjà tard ici. On est déjà à 2h10. Vous voyez, j'ai encore les problèmes de. Les horaires, le décalage horaire. J'ai encore le décalage horaire. Voilà. Tu blâmes un peu ma soeur aujourd'hui là. Ça fait tellement mal. Hein? Voilà. Donc, famille, I love you. Bye.